Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon Let's Play Endless Legend. Let's Play bientôt fini, malheureusement. Je sais pas, je peux peut-être encore gagner dans le temps qui m'est imparti, ça me paraît un peu difficile. Peut-être une victoire scientifique, je sais pas trop. On verra ce que j'arrive à faire, mais c'est vrai que ça va peut-être être un peu limite. Alors les Silic veulent pas discuter, ah peut-être parce que... J'ai peut-être une idée. On est 6, ils sont 6. Peut-être qu'il faut qu'on soit supérieur à eux. Ça me paraîtrait plutôt une bonne raison. J'arrive. Et après, j'ai envie de faire la guerre aux oranges. Je les avais déjà attaqués une fois. Je me dis que je dois pouvoir leur faire une deuxième fois. Ok, je continue à bouger. Alors a priori, je peux pas avoir deux héros au même endroit, ouais. Je vais détacher le héros peut-être. Ce que je vais faire, je vais le mettre dans une ville, puisqu'il était spécialisé en ça au début. Assigner celui-là. Il a un petit bonus, je sais plus, de nourriture ou je sais plus quoi. Donc voilà, pour l'instant j'ai pas assez d'armée de toute façon. Oh, sérieux, je suis obligé de faire le tour. J'espère qu'ils vont pas l'attaquer à ma place. Remarque, s'ils attaquent, ils ont une chance de mourir. J'ai envie de parlementer avec eux, ça peut être intéressant, ils nous donnent une quête. J'ai l'impression qu'ils ont pas. Oui, ils ont pas attaqué. Non, ils veulent pas négocier. Bon bah c'est parti, c'est la fête. Soudoyer. Voilà. J'ai pas trop envie de me battre, j'ai un peu peur, j'avoue. Ok, donc question de production. On est rendu à plus 16 par tour. En clair, 16, si on parle en termes d'argent, ça fait plus de 19 de revenus par tour. Puisque là, ça, je suis bon pour le vendre. Je peux pas faire grand-chose d'autre avec ça. Et donc, je vais préparer ma guerre contre le orange. Ça, c'est bientôt fini. Je crois que je vais pas faire d'extension tout de suite. Je vais d'abord faire... Deux infanteries. Ah, il me faut une grosse armée aussi. Il me faut il me faut beaucoup de choses. Il me faut deux cavaleries. Là, je vais faire une cavalerie. 32 tours, c'est un peu poussé. Ah, j'ai oublié de bouger, mais bon, c'est pas grave. Je vais aller me chercher les ruines. Ok. Un niveau de plus. Là, je vais prendre l'attaque. Non, remarque, je préfère les dégâts. Oui, je préfère les dégâts de très loin. Honnêtement, le jeu mise très peu quand ils attaquent, ils font très peu de miss. Donc la valeur de l'attaque, je vois pas trop ce qu'elle apporte. Merde, il n'y avait rien dans la ruine. Alors, est-ce qu'il y a d'autres boosts d'activables? Parce que là, la situation est un peu tendue. Oh, putain, non. Ça coûte cher d'avoir une si faible comment dire réputation. C'est pas réputation le terme, mais bon. Ok.
Donc là, je vais faire réduction des coûts en unité, puisque je vais faire pas mal d'unités militaires. Et je peux me le permettre, en fait. Hein. Je pourrais peut-être même... Non, c'est pas la peine. Je vais mettre des points de côté. Déjà, la réduction du coût des unités, qu'est-ce qu'il fout là? Elle va bien m'aider. Fermé. Voilà, j'y suis presque. Je vais donner un petit coup de boost. Ouais, c'est bon. C'est cette ville-là qui va me permettre de faire ma quête. Hein. Un niveau, il faut un centre-ville 2 et un quartier 2. Là, j'y suis presque. J'ai mon centre-ville 2. Et du coup, avec un centre-ville 2, alors c'est où? Celle-là? Non. Celle-là? Non, non plus. Celle-là. Est-ce que je peux faire un... Oui, je peux faire une autre extension. Donc pour avoir un quartier 2, il faut t'entourer de quartier 1 ou centre-ville 1. Ah merde, je suis au bord de la frontière là. Ah, j'ai sacrifié une case pour rien. Non, c'est pas grave. J'avais pas remarqué que j'étais à la frontière. C'est moi qui ai mis cette ville ou je l'ai conquise? J'aurais pas mis aussi près, moi. C'est pas pratique. Ok, là je vais accélérer les choses. Ouais, c'est parti. De toute façon, il m'en faut deux de cavalerie. Et après, il va me falloir un paquet d'archers. Je mets 6 archers à chaque fois dans chaque unité. Non, ça fait beaucoup, 6. 2, 4, 5. Non, j'en mets que 4. Oui, 4 archers, 2 cavaleries, 2 infanteries. Voilà. Et je serai prêt à faire la guerre. Ça va être la fin de l'été, malheureusement. Alors, je vais me réunir à la frontière. Créer. Franchement, avec des armées de cette taille, ça devrait pas être un souci. 120 brumes. Alors là, il y en a plein des ruines. Là, je vois qu'il y en a une autre ici. 220 brumes. Ah, mais il va me manquer deux autres infanteries en fait. Parce que j'en avais zéro. Ouais. Ah, il n'y avait rien. Je crois que j'ai fait le tour hein, maintenant des ruines. Non, d'ailleurs, non. Il y en a une tout au bout là-bas. Donc, changement de plan ici. Il m'en faut deux autres. Qu'est-ce qu'il amène déjà en. Il amène de la nourriture supplémentaire. Pourquoi pas? Et là, ça me fait mal, hein. Rébellion, c'est moins 50% de production. Franchement, il faut que je quitte l'état de rébellion, mais voilà. Déjà, là, c'est plus que moins 20. C'est un tout petit peu mieux. Et l'hiver commence, c'est triste. Ah, un boost de moins, sérieux.
Là, faut que je vende. Alors, je vais acheter de luxe. Par exemple, Herbassois, j'y suis presque. 82. 20, j'y suis presque. Oh merde, ça coûte trop cher. Ça coûte 319. Ah, c'est pas grave, j'achète quand même. Or, est-ce que ça coûte cher l'or? Non, l'or ça vaut rien. Enfin, tout est relatif. Voilà, avec ces trois boosts. Enfin, c'est surtout le 20, hein, le plus 30 de satisfaction. Voilà, là ça va me passer. J'ai plus de malus, plus de bonus, mais voilà, c'est ce qui compte. Après, je m'en fous d'être à 0, mais en tout cas, je suis plus à moins 50 ni à moins 20. C'est l'essentiel. Ok, donc là, je commence à. Pourquoi je peux pas venir? Ah, j'ai pas assez de points de transport. Là, je vais. Là, je vais enlever le chasseur qui est en trop. Faut que je fasse de la place pour mon infanterie. Ça commence à s'organiser tout ça. Donc là, je crois que je vais me mettre au maximum, hein. Faut que ça produise. Là aussi. Là, je peux tout de suite en produire un autre. Je les ai mis là, mais est-ce que c'est mes villes qui produisent le plus? Je me suis pas trop posé la question. Ouais, sans même le chercher, c'est ce qui produit le plus. Donc ça, c'est plutôt cool. Enfin, c'est ce qui produit le plus, c'est vrai aussi, c'est parce que j'ai mis ma production au lieu de mettre la nourriture. Ok. Donc là, je vais faire l'influence en priorité. Je vais agrandir ma ville parce que là, elle me fait pitié en fait. Elle est tellement petite. Ils veulent me donner 666 pour la paix. Alors que c'est eux qui ont rompu la paix il y a 10 tours. Cherchez l'erreur. Alors c'est pareil, il me faut un peu pitié. Je vais l'agrandir la ville. Je vais aller vers. Non, est-ce qu'il n'y avait pas d'autres sources à aller chercher? Non, je crois pas. Si, il y a une anomalie là. Je vais aller par là. J'ai une ville de taille 17. Je sais pas où elle est. En marque 16, 17. Ah, c'est celle-là la plus grosse de toutes mes villes. Ah, faut dire, je suis en nourriture à fond. J'ai même pas fait les extracteurs. Ah bah si je suis nourriture à fond, je vais continuer. Non, je vais quand même faire un peu de production. Ça manque de bâtiments dans cette ville. C'est parti. Ah, j'ai une armée errante à l'autre bout de la carte. Je suis obligé d'aller la chercher, elle va m'assiéger. Merde, il a perdu une province là. Ah mais ça, faut que je saisisse l'occasion.
colons. 4 tours. Je vais pas l'acheter tout de suite, je vais attendre un ou deux tours quand même, parce que ça coûte cher. Alors, 12. Non, je vais prendre 25 points de vie sur unité. Merde. 5% de dégâts. Elle est pas mal cette faction. Là, je vais aller essayer de faire la loi avec ma petite armée. Le but, c'est d'empêcher les gens de coloniser la province, si c'est possible. On est en hiver, hein. Hiver qui va être très court d'ailleurs, on est déjà de 1 à 5 tours. Donc ça, c'est la bonne nouvelle du jour. Gloire de l'Empire. Je sais pas qui détruit les villes. Ça doit être celui-là qui détruit les villes comme ça, sans les reconstruire. Normalement, c'est le vert là avec ses mercenaires. Mais là, je suis pas sûr que ce soit lui. Il a l'air d'être tout petit. Il y en a un qui détruit les villes sans les reconstruire. Je sais pas qui s'amuse à faire ça, mais. Là, je vais l'acheter, hein. Je suis trop pressé parce que j'ai peur qu'il se réinstalle. C'est une trop belle occasion de prendre une province sans se battre. Ok. J'en suis où là? Plus que 2 sciences avant le prochain niveau. Permet de proposer un traité d'alliance, ça va pas m'intéresser. Je suis pas trop. Dans les alliances là. 100% d'XP pour les unités, ça m'intéresse pas. Alors je vais prendre ça et je vais prendre les 20% de défense sur unité. Je trouve ça assez intéressant. Je vais réactiver le boost. Pour une fois que je perds un boost et que je peux le réactiver directement. Ça fait plaisir. Donc, je sais pas d'où elle venait cette armée. Donc c'est parti pour mon colon. Lui, ça avance. Il m'en faut 4 encore, enfin 2 comme ça encore. Allez, vivement la fin de l'hiver, je crois qu'on y est presque là. Alors, oh, c'est ça que je voulais éviter. Qu'est-ce que c'est comme genre d'unité, ça? C'est pas des colons, ça. J'en sais rien, ça ressemble à rien. Ah non, voilà, c'est bon. On voit que c'est pas un colon. Donc c'est peut-être le je sais pas quelle couleur c'est. Bleu, on va dire. Je sais que c'est pas tout à fait bleu, mais c'est peut-être lui qui s'amuse à tout détruire sans rien construire. Donc là, je vais refaire un chasseur. Guerre froide. Honnêtement, ça me fait pas trop peur parce que. Ils font ça et 5 minutes après, ils redéclarent, ils redemandent une alliance. Voilà, 7 tours pour finir l'extension, 7 tours pour grossir, c'est exactement ce qu'il me fallait. Ouais, j'ai oublié de bouger là, mais c'est pas grave. Non, c'est sans conséquence.
J'ai bien développé mes villes cette fois quand même. Alors je vais m'installer. Alors d'abord je vais me mettre avec mon colon. Pourvu qu'ils m'attaquent pas quand même. On est en paix avec eux ou pas? Là, je crois qu'ils vont payer pour la paix. Ils vont même y mettre très cher, à mon avis. Ouais, 2005, je pourrais même aller peut-être à 2009. Limite. Mais voilà quoi. Eux, ils feront jamais de paix. Et eux, pour l'instant, ils veulent pas. Tout à l'heure, ils ont rompu l'alliance, c'est pas pour rien. Alors, ça tombe bien, je vais acheter des unités. Ok, je crois que je serai presque bon pour les unités. Je vais tout ramener là-bas. Franchement, s'il crée une province là tout de suite, je suis vert alors que j'étais presque là. Bon, déjà l'été est là. C'est bon, il s'est pas installé. Alors, je prends de la population, la nourriture, pardon. Donc ici, j'ai dit que je voulais m'installer plutôt bah là en fait. Là, ça me va, je pense. J'ai deux je sais pas ce que c'est, le genre de source chaude, bruyère. Je vais tout de suite commencer par faire mes bâtiments. Et là, ils doivent être verts. Je me suis installé dans la province qu'ils ont détruit eux-mêmes. Alors, ils ont quand même pris ces trucs-là, pris les villages mineurs. Ça m'embête un peu, j'avoue. C'est peut-être les verts, hein. Je vois que le vert est là. Il est là, mais il est aussi ici. Alors, je vérifie que j'ai toujours autant d'avance, mais. Ouh, en science, le vert s'éclate. Faut que je méfie. Toute façon, je me regroupe pour faire la guerre. Là, je vais l'acheter. Je crois qu'il va me manquer un chasseur. Et ce sera tout. Alors si je regroupe tout, on va se regrouper au bord de sa frontière, on va pas s'embêter. Toute façon, j'ai l'impression qu'il n'a plus qu'une seule province. Quelque chose me dit que ça va être une guerre quand même rapide. C'est bon, tout le monde bouge. Ok. Je vais pas tarder à arrêter l'épisode d'ailleurs, peut-être ouais, peut-être à la fin de ce tour. Vous avez déjà conquis 14 régions sur les 28 requises. Je pense que 28 en fait c'est quand on arrive à toutes les conquérir. Donc je pense que la victoire conquête est pas trop envisageable quand même. Je suis quoi là? Je suis en été? D'accord. Alors comme tout à l'heure, avant d'arrêter, enfin là, avant d'arrêter, je vais faire ce que j'ai déjà fait tout à l'heure, c'est-à-dire vendre les ressources qui ne me servent plus à rien. Si j'en ai autant, c'est grâce à la faction mineure. Et racheter les ressources de luxe, le vin en priorité.
Mais pas que le vin, hein. Je vais tout acheter. Ça aussi. Ça. Ça vaut cher par contre. Ah non, je me suis gouré, sérieux. J'ai pas cliqué où il fallait. Ça, c'est herbe à soie. Oh merde! J'ai plus que 10 pièces d'or. Je me suis un peu trop lâché là. Surtout que j'ai toutes les ressources déjà. Oh, je fais n'importe quoi. Bon, c'est pas grave, j'en aurais besoin. Dans un tour. Ouais, non, mais c'est bon. C'était pas une si grosse connerie que ça. C'était juste que j'étais un peu pressé parce que je voulais arrêter l'épisode. Et du coup, j'ai dépensé 6000 pièces d'or. Enfin, 6000 crédits, je sais pas comment ça s'appelle. Ok, bon bah je vous laisse. Prochain épisode, ma guerre contre les oranges. Là, c'est bon, j'ai quasiment fini de regrouper mes troupes. On est en été, ça va très très vite. Il va peut-être me manquer juste un chasseur, mais c'est pas grave, je déclarerai quand même la guerre, même sans ça. Faut que je fasse le point, mais j'ai peut-être pas assez d'unités. Bon, on verra ça. Je vous laisse à demain pour la suite de ce Let's Play.